Salut à toutes et salut à tous, ici Chromy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve bien pour le deuxième épisode de mon aventure suivie sur Minecraft en mode hardcore. J'ai réussi à tenir une journée et une nuit. Je deviens professionnel. Je suis désolé les gars, faut. Appelons un chat. Je deviens professionnel. Et j'ai tenu ma première journée, ma première nuit. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez droit à un deuxième épisode. Mais bon, à cette trêve de plaisanterie, allons directement. Alors je suis sorti du jeu. Nous avons, pour vous prouver, voilà, Minecraft Hardcore Mode. Oh yeah. Et on commence. On y retourne. On est reparti. Et ah bah on se quitte sur le même point que on s'était on revient sur le même point qu'on s'était quitté. Et du coup, eh bien, nous allons aller dehors. Mais d'abord, avant d'aller dehors, nous allons récupérer eh bien le staff que nous avons tapé dans cette grotte. Hop. Alors je vais changer. Tac, je vais mettre les torches. Voilà, on ne sait jamais. Torches, hop, on va récupérer eh bien ce qu'on a tapé au fur et à mesure de cet endroit. Et on va partir. On va partir parce qu'on est sur une île déserte, déjà de 1, donc c'est déjà une bonne raison de partir. Et ensuite parce qu'on est des bonhommes et qu'on va pas commencer à rester dans un endroit où il n'y a ni queue ni tête. Ah, j'ai encore une torche là. Il y a encore une ici. Hop. Voilà, récupère tout. On se casse. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'ennemis dehors. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis dehors. Caillou, sort. Et on se retrouve. Et là, il y a un archer là au-dessus. Très bien. Un archer là au-dessus, c'est tout ce qu'il y a. Une araignée. On retourne, je regarde un petit peu partout. Oh putain, creeper, je me casse. On se casse, hop. On va aller sur ce côté-là. De ce côté de l'île, on va aller, eh bien, dans cette région désertique, plutôt que dirais-je. Alors, est-ce qu'on peut pas se faire un petit bâtal? On va se faire un petit bateau, non? Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais... Un petit bateau, ça va être possible, non? Non, c'est pas possible. Que si, hein, ça va être possible. On va remettre le lit, on va mettre ça en dessous. Il me semble qu'un bateau, ça va être possible. Un truc du genre... Voilà, une petite barquette. Une petite barquette. Bah voilà. C'est très bien, ça. Oh, c'est un petit bateau. Hop, montez dedans. Press L, shift to... Ah, merde! Merde. J'appuie sur L, shift, eh oui. J'ai vu press L, shift to dismount. J'ai appuyé sur L, shift. Évidemment. Hein? Donc voilà, mais c'est bien. Au moins, on a un bateau. Voilà, hop, c'est bien. On peut avancer un petit peu. On y va. On va arriver sur l'île très rapidement. Alors évidemment, vous avez quelques petits lags, c'est normal. Parce que le monde se génère, tout simplement. Le monde se génère devant moi, donc c'est la merde. Hop, on va s'arrêter. Oh, on s'arrête. Hop. Non, viens ici, viens ici. Voilà, on récupère notre bateau, si possible. Merci beaucoup. Et on va récupérer notre épée. Nous allons aller sur cette île, voir un petit peu ce qu'elle contient. Elle a l'air un petit peu désertique, hein. C'est un peu la merde. Mais ça devrait aller, alors, oh merde. Et avance Alphonse. Alphonse, y'a le téléphone qui fonce. Non, j'ai... Ah, ce serait une jungle, là. Oh, intéressant. Alors, est-ce qu'on a besoin de cactus? Je ne pense pas. On a besoin de cactus, si. De cactus? Je ne crois pas. Pas besoin de cactus. Alors le bateau, on peut le ranger, on va mettre une pelle ici, on va récupérer juste un petit peu de sable, si jamais ça peut toujours servir, pour faire des petites vitres. Les vitrounettes. Les petites vitres. Alors est-ce que j'ai récupéré mon fer surtout, cette question est la plus importante. Alors par contre c'est bizarre, je n'entends pas les sons. Ah mais c'est normal, j'ai mon casque débranché.
Je me disais bien que j'entendais pas trop bien les sons. Alors par contre, hop, on va remettre la cam un petit peu plus. Voilà. On remet l'éclairage, donc vous voyez un petit peu ma tronche. Ah, et là du coup j'entends le sable. J'entends le sable. Les yeux down low. Mon rêve est très trouble. Qui chantait ça? C'était Rock Voisine, je crois, non? C'était Rock Voisine, non? Il me semble, hein. Dites-le moi hein, si je me trompe, hein, je ne suis pas. Ma culture musicale est plutôt bonne, mais des fois je dois avouer que les chansons un peu ridicules, je ne les connais pas forcément. Hop, tac, et tac. En 64, 64, parfait. On reprend notre épée. Et nous avançons. Allons dans la jungle minecraftienne. Oh les moutons, moutons, moutons. Non, les moutons, on s'en fout. Effectivement, c'est du bois de jungle, ça, j'ai l'impression. C'est très bien, ça. Jungle wood. Du gravier, ça. Ça me semble. Ouais, c'est du gravier, donc on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Et on y va. Alors, on est où? On est où? On va avancer un petit peu. Le monde se génère toujours un petit peu. Voilà. Parfait. On va prendre de la hauteur. On va aller un petit peu voir en hauteur justement ce qui nous attend. Allez, monte. Allez, coco, c'est bon. Hop. Hop. On est en haut. Oh, une belle région. Belle région qui ici. Oula, oula. Doucement. A raté. Voilà, on va monter sur l'arbre et là on va voir. Ah quand même, hein. Oh putain, hein. Ah, c'est une belle région, hein. Et il y a de quoi faire, hein. C'est quoi? C'est plutôt des marais plutôt qu'une jungle, en fait. C'est plutôt des marais, on dirait. Voilà. Plutôt des marais. C'est bien. On va établir un petit camp ici, je pense. On fait un petit camp ici et on va commencer, eh bien, à aller récolter, eh bien, des ressources pour pouvoir avancer un petit peu dans le jeu, se faire une armure, de la nourriture. La vache, la vache. Meurs la vache. Voilà, hop. Alors je sais pas si on pourra se faire une armure en bouse. Alors, une armure en bouse, c'est une armure en cuir évidemment. Pour ceux qui ne connaîtraient pas mes termes. Enfin bon. Mes termes non mais. Je ne suis pas le seul à dire que les armures en cuir sont des armures en bouse. Parce que vous voyez le travail apporté, le travail extraordinaire. De ces petites armures. On va faire d'ailleurs on va faire une petite armure directement. Hop, tac. Hop, on a du cuir, donc on est parti. Go, hop, 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 hop. Un petit plastron, voilà, un petit plastron. Voilà, on a un petit plastron, et là, magnifique, nous sommes en caca. Voilà. Très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, j'ai de la torche. J'ai de la torche. Une armure en cuir, oh yeah. Est-ce qu'il y a d'autres trucs en cuir ou pas du tout? Absolument pas. J'ai l'impression que pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Ah, petit champignon, champignon. On pourrait faire une petite soupe en champignon, mais j'ai du steak. J'ai du steak. Ouh, ça, cette montagne, elle m'intéresse. Cette montagne m'intéresse énormément. Allons-y. Allons-y, allons-y. Il faut quelques petits éléments supplémentaires. Meurs, José. Hop. On descend. C'est quoi ça? Il y a un trou? Ah, il y a un trou. Il y a un trou avec un mouton dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, où sommes-nous? Cherchons un petit peu. Il n'y a pas encore de la vache quelque part, de la vachette quelque part. Non, pas de vachette à l'horizon. Le soleil se couche déjà? Il est où le soleil? Oh mon dieu, le soleil se couche déjà. Oh merde. Oh c'est la merde ça. Il y a la lumière là? Il va y avoir de la lumière un peu. Alors allons-y. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. Oh vite, 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 vite. Hop. Vite, pelle. Pelle, hop, tac. Tac. Pioche, 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 pioche. Oh, pioche. Attaque. Hop.
Vite un abri. Un abri vite fait. Un abri. Allez, go. Torche, très bien. Hop. Voilà, c'est bon. On a un abri. On s'est fait un petit abri. Et maintenant, on va pouvoir eh bien recommencer. On va piocher un peu. Tac. Et on va s'éliminer des trucs qui nous servent à rien. Parce qu'il y a des trucs dans notre coffre qui ne nous servent absolument à rien. On va remettre notre table de craft. On va remettre notre coffre après. On va remettre notre four. Et on va peut-être encore passer une petite nuit ici à miner tranquillement. Avant d'aller, eh bien, à la chasse. Nous allons devoir aller chasser des trucs pour pouvoir, eh bien, commencer à avancer dans l'histoire. Hein. Alors, je ne dis pas qu'on va aller tuer l'Ender Dragon. Le dragon de l'enfer, de l'Ender, machin bazar. Mais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un petit peu un suivi. Notre but ultime, évidemment, est de finir le jeu. Évidemment, mais. Mais. Il nous faut des trucs. Il nous faut des trucs et bah déjà avoir. La cobblestone ne nous sert à rien. La boue, si ça peut nous servir. Ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris du sable en fait. Je vais pas faire des vitres. Je vais pas commencer à faire des maisons. Je pourrais faire une petite maison, mais bon. Pas très très intéressant. C'est quoi? C'est pas le même. Si c'est le même bois, voyons. Pourquoi tu ne te mets pas ensemble? Regardez mon bateau. Regardez ma bouffe, évidemment. Hein. Faut pas les coller non plus. D'ailleurs, on va se la cuire la bouffe, hein. Pas déconner, merde. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop. Alors, si j'ai quand même gardé. Tac, je vais quand même garder ça sur moi. Garder du bois pour se pour faire des outils. Et je pense que par la suite, dans les futurs épisodes, nous ferons, et eh bien nous irons. Pourquoi je mets ça? Tac. Une épée, une deuxième épée. Hop. Ça comme ça. Et j'ai de quoi faire un truc. J'ai un casque. Alors, est-ce que je me fais un casque en fer? Ou est-ce que j'ai pas du bois? Pas de bois. Fait chier. Je pense que j'avais encore des planches en bois, mais c'est pas grave. Tac, voilà. Je pense que j'ai assez de bois maintenant. Donc ça c'est de bois, c'est bon. Hop, là on va pouvoir. Ouais, je suis con. Hop, tac, tac. On va pouvoir se faire 3 pioches en stone. On va se faire. On va se refaire 2 pioches, 2 pelles. Et on va se refaire une épée. Voilà, comme ça c'est fait. On va se refaire une épée. Peut-être avoir besoin d'un seau, peut-être. Un seau serait pas une mauvaise idée, je pense. On va se faire un seau. Voilà, un petit seau. Tac, comme ça, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est plus ou moins une bonne idée. Ah, merde, il faut que je mange. Il faut que je mange. Hop. Ok, parfait. Hop, on pioche. On commence à piocher. Allez, maintenant, on s'active. On va se faire un équipement. Il nous faut un équipement en fer. Il nous faut un équipement en fer. Donc, du coup, on va avoir besoin de masse fer. Donc, on va commencer à miner. On mine, on pioche. Allez, c'est parti. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Go. Alors, on va... vite fait les torches, tac, voilà, on a assez de torches je pense, on a 64, même plus, on en a 25 en plus, donc ouais, on en a 90, quoi, 90, c'est bon, il nous faut du fer, maintenant il faut du fer, objectif, masse fer, pour pouvoir se faire une armure et une épée, l'épée je peux déjà la faire en fait, ouais l'épée je peux déjà la faire, hop, tac, hop, une épée en fer, hop, qu'on va remplacer d'ailleurs. Voilà. Damage plus 6, plus 5. Très bien. Très bien. Donc elle fait 6 de dégâts. Ce qui est ma foi correct, hein, évidemment. Ce qui est ma foi correct. Et donc j'ai besoin de fer. On a besoin énormément de fer. On va faire ça. On va devoir, eh bien, aller chercher. Attends, je vais mettre ma pioche en 1. Tiens. Hop. Tac, tant pis. Alors les épées en pierre. Bah, j'ai envie de dire tant pis. Voilà, j'ai envie de dire tant pis. Il y a des bruits. Il y a des zombies. Il y a des zombies. Des zombies en ville. Et ça fait vraiment peur. Je suis armé de toute façon, donc c'est pas un problème.
Le zombie, je m'en occupe. Je m'en occupe. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. J'ai foutu sur cette mèche rebelle. Au moment que j'ai fait le coiffeur. Cette semaine, coiffeur. Je vous promets. Alors. Tac. Pas de fer, pas de fer. Hein? Il me faut du fer. Il me faut du fer, absolument. C'est vraiment être l'objectif, hein. Cet épisode. Il va falloir commencer à s'équiper. On a fait l'équipement de base, mais il faut l'équipement, eh bien, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus ultime, on va dire ça comme ça. Un petit peu plus poussé. Hop. On accumule masse cobble qui ne servira absolument à que dalle. Absolument à que dalle. Alors. Y a rien là. Y a rien. Ah. Embêtant. Je sais pas où je suis. Pas quel niveau je suis. Que je vais casser. Hop, c'est pas trop grave. C'est pas comme si on en avait 50 000 en stock. Et bon, de toute façon, on pourra en fabriquer, donc c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Hop. Ah, c'est quoi ça? Oh, merde, je pense que c'est du fer. Absolument pas. Ce n'est pas du fer, c'est de la pierre. Alors, hop, on va remettre la pioche. Là. Non, là. Oh, bonhomme, mets-moi la pioche là. Oh. Un tatou. Et on continue. Et on mine. Et on mine. Et on mine. Allez, hop. Alors, c'est sûr que c'est pas un épisode, je vous avouer, qui est très emballant. Mais c'est une étape nécessaire pour moi. Il me faut mon équipement. Je pense que c'est nécessaire. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire, alors, hein, tu peux y aller comme ça, hein, si tu es assez bon. Oui, mais bon, je suis un peu nul, donc. Bah, ça va pas. Moi, je pense qu'il me faut vraiment un équipement pour pouvoir. Parce qu'apparemment, les ennemis font plus de dégâts. Donc, du coup, ils font plus de dégâts. J'ai besoin de plus de pour survivre. C'est assez embêtant. Voilà. Ah là. Un jour, je vous montrerai peut-être l'endroit où j'ai fait mes premières mines. Ah, quoique non, le serveur n'existe plus, hélas. Dommage. On peut télécharger la map. J'aimerais bien la map. J'aimerais bien la map. Bah oui. Même si, à mon avis, on peut pas vraiment y retourner comme on veut. Hop, tac. Une pioche. Une pioche, moi. Une torche, plutôt. On est où? Est-ce qu'on est bas? On n'est pas si bas que ça en fait. Absolument pas. J'avais vite fait voir si on était. Je sais pas si on peut utiliser ça, je pense pas. Mais juste pour voir où j'en étais parce que je me dis. Tant que je pioche. Enfin, ma technique. Un étage, un étage. Hop. Trouve rien. On ne trouve rien ici. Même pas de charbon. C'est assez affolant ça. C'est quoi de moins affolant? Je trouve rien. Toujours rien. Pas de fer. Même pas de charbon, hein. Alors que le charbon, c'est quand même l'un des éléments qu'on trouve le plus dans le jeu, le plus facilement possible. Hein. Tu fais deux pas là du charbon. Et là, rien. Que dalle. Je vais peut-être dans la grotte qui est à côté au jour levé. On va faire ça, je crois. On va faire ça parce que sinon, on va être un peu mou du genou. Le jour est levé d'ailleurs. Allez voir. Hop, tac, une torche. Hop. Encore creuser un ou deux petits étages. Ah! Pioche cassée. Et plus de pioche. Ni de mort pioche. Non trouvé. Hein. Pas de chance, je ne trouve absolument que dalle. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des techniques pour trouver des choses ou pas. Pas vraiment renseigné, voir s'il y avait des techniques pour trouver des ressources, ce genre de choses. Est-ce qu'il fait jour? J'ai l'impression qu'il fait jour. On va aller voir. On va aller voir. Oula, c'est quoi ce lag? Non mais oh. Ah, il fait jour. Il fait jour. On va pouvoir sortir.
Taïos! Là autour de moi, le mec, il y a des ennemis. Y'a personne. Y'a personne. Ah, c'est spécial. Y'a pas un ennemi. Rien du tout. Que dalle. Y'a que dalle. Ah ben voilà, du charbon. Hey hey! Ah ben voilà. Voilà du charbon. C'est parfait. Oh, j'ai plus de pioche. Oh, j'ai plus de pioche, donc c'est un peu embêtant. Ah, si ma pioche elle est pleine, voyons, Chromie. Regarde un petit peu ce que tu racontes. J'entends un bruit. Trompé. Niveau 4, yeah! Alors, je sais pas comment ça marche les enchantements. Peut-être que c'est pas une priorité pour moi. Hop. On va attendre, hop, tac. On va aller faire un petit tour. Cette île. Pour notre épée. On va prendre un seau d'eau, tiens. On prend un petit seau d'eau. Je sais jamais. Ça peut toujours être utile, un petit seau d'eau. On va. Voilà qui est fait. Merci beaucoup. Hop, et là. Ah, une grotte là. Il y a une grotte. Une grotte? Ah non, c'est juste de l'eau. Y a pas de grotte, de faille ou tout dans ce genre là. Oh, je suis un peu déçu qu'il y a de l'eau. Là. Ah, y a du charbon. Du charbon. À côté charbon, tiens. Oh, il est un peu haut. Il est un peu haut. Et puis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais, allez, j'en ai besoin. Allez, j'ai décidé que j'en avais besoin. J'ai décidé que j'en avais besoin, donc je vais le prendre. Je viens prendre mon dû. Bonjour. Je viens prendre mon dû. C'était quoi? C'était dans l'ancienne époque, ça. Il y avait l'empereur qui venait chez les paysans qui faisait « Bonjour, je viens prendre mon dû. » Et j'en faisais « Ah, mais si, je n'ai pas l'argent, ne me tapez pas. » Évidemment. Une époque révolue. Enfin non, maintenant c'est plutôt bonjour, ici de justice, je viens saisir vos meubles. Très bien. Très bien. Enchanté. Allez vous faire foutre. Et là des fois ça finit un peu moins bien. Hein. Un petit peu moins bien. C'est bien un métier que j'aimerais pas faire, ça. Oui, c'est justice. Oh là 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 là. Terrible, ça. Oh, huissier de justice ou avocat. Notaire, genre de choses où voilà, vous devez absolument retirer parce que les gens ne payent pas ou ce genre de choses. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. J'aimerais pas. Parce que des fois, évidemment, il y a des gens qui ne payent pas parce qu'ils sont pas en vie, parce que c'est des rebelles de la société. Donc ça, d'accord, passe encore. Mais des fois, vous avez des gens qui, hélas, sont dans la merde, qui font ce qu'ils peuvent, et vous venez leur tirer. Oh. Non, moi je ne saurais pas. Je ne saurais pas faire ça. Alors je ne vois rien. Et vous non plus du coup, donc hop, vous mettez une petite torche, voilà. Et masse charbon, hein. Voilà, ici on est tombé sur The Gisement of Charbon. This is very good. Ah bah ça vient de l'autre côté, ah bah ça rejoint de l'autre côté. Très bien, mais c'est parfait ça. Mais c'est que c'est pas. Ah bon. Le jeu s'est mis en pause, tout seul. Ça, je sais pas. Mais ça vous arrive souvent ça, mais en tout cas, très bien. Le jeu se met en pause tout seul. Pas de problème, Polo, pas de problème. Allez, on va descendre. Hop, on va descendre par là. Parce que c'est là que j'ai mis ma petite. Mais allez, monte. Mais monte. Voilà. Ma petite tour en cobble. Hop, et on descend. Hop, tac, 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 tac. Et voilà. Alors, c'est petit. N'est-il pas fatigue. Fantastique. C'est quoi ça? Je crois qu'il y a eu du fer, mais non. Juste un petit reflet avec le soleil. C'est un maudit soleil. Hop, hop, on fait un petit saut. Un petit saut sprinté, histoire de pouvoir avancer un peu. Le monde qui se génère toujours, donc ça lag. Merci. Merci beaucoup le jeu vidéo. Est-ce qu'un jour Minecraft arrêtera de laguer quand on charge? Oula! Oh, tout s'est cassé la gueule. Très bien. Tant mieux. On va avancer un peu, hop. Prendre, hop.
TP. TP. On va avancer. Hop. Allons-y, allons-y. On va essayer de descendre par là sans perdre de points de vie. Voilà qui est fait, parfait. Alors, les plantes. Bien. Ah, une grotte. Une grottasse. Grotte, ah non, c'est une petite. Oh! De la lave. De la lave, c'est bien ça, mais il faudra un deuxième seau. Que je n'ai pas, il me faudrait du fer. Il me faut du fer absolument. Il me faut du fer! Ce n'est pas fer. Oh, grosse blague. Grosse blagounette. On va sprinter un petit peu, on va avancer. On a de nourriture de toute façon, donc c'est pas trop grave si on perd un peu de faim là-dessus. Regarde le soleil, il est où? Le soleil, il est par là, très bien. Faut que je fasse quand même attention. On va bientôt se coucher. Vraiment de charbon, il n'y a pas de fer. Pas de fer. Je crois que je vais retourner dans ma grotte, tant pis. On va retourner dans sa grotte, une grotte où on était. Et on va continuer à piocher pour avoir eh bien du fer. Le soleil va bientôt se coucher, donc vaut mieux que je retourne maintenant. Il faut que je revienne ici. Donc, il faut que je me rappelle de venir ici. C'est très important. Il me faut... Je n'ai pas assez de fer. J'en ai plus du tout, même carrément. Je n'ai plus de fer. Il me faut cette lave. Pourquoi est-ce qu'il me faut cette là pour avoir, et eh bien tout simplement, de la... comment ça s'appelle? De l'obsidienne, bah oui. Obsidienne pour pouvoir, et eh bien, faire un portail vers le Nether. Eh oui, on ira dans le Nether, évidemment. Il nous faut les éléments pour pouvoir, et eh bien, finir le jeu. Donc du coup, il faut absolument que j'aille dans le Nether, il me semble. J'ai pas le choix. Eh bien, il me semble, parce que... c'est ici ma grotte? C'est ici, parfait. C'est ici. Et bien justement, hop, on va se refermer le petit corridor, voilà qui est fait. Et c'est ici, et bien, que nous allons nous quitter. Oh, voilà, c'est ici que nous allons nous quitter, voilà. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, si c'est le cas. Et à mettre un petit commentaire, voilà, je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre, et bien. Je réponds à tout en général, voilà. Sauf si j'ai vraiment des questions un peu à la con, ou des remarques un petit peu désobligeantes. Ça, je ne réponds pas en général, c'est... normal. Si le contenu et ce que vous avez vu comme vidéo de ma part vous a plu, n'hésitez pas eh bien à vous abonner aux différents réseaux sociaux qui sont juste eh bien au-dessus dans le petit overlay. Vous avez le Facebook ChromiTuto, le YouTube ChromiTuto également. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit comme toujours, ça fait toujours plaisir et ça nous aide eh bien à nous développer, nous petits youtubeurs. Et vous avez également le Twitter ChromiTV. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous eh bien, bientôt pour le troisième épisode de Minecraft Hardcore avec Chromi. Voilà, des bisous, à bientôt, ciao.